les gars, c'est Monkey D. Luff et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Rayleigh V2 et Ulti. Ulti level 100 boost 2, Rayleigh 87 boost 2, 148% et quelques. Et on est parti. Ok, let's go. Petit gameplay, encore une fois, tranquille, dans la bonne humeur. En espérant quand même faire des beaux trucs. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être totalement incroyables. Et pourquoi il y a deux Kaido V2, enfin V3 en face et nous, on n'a presque aucun fonceur. Enfin, on n'a aucun SBF fonceur. Bon, on a Akuba qui est très cheaté, mais Perona, j'ai quelques doutes sur ses capacités à défendre, malheureusement. Voilà, et si vous voulez que je joue des personnages autres que les crèches de barbe blanche parce que secret défense, dites-le en commentaire, n'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez autre chose à dire en commentaire, à le dire, hein. Ok, on va essayer. Non, mais sérieux. C'était à prévoir que le droit allait claquer son money guéri, je suis 0. Bah. En même temps, ça fait un moment que j'ai pas joué le Rayleigh, donc bon. Non, mais. C'est quoi, King? C'est un Kaido V2, King. Arrête tes conneries! Bon. Ah, ulti, on va pouvoir essayer de détruire la Big Mom. Je dis bien essayer. Merci pour la mise à terre, King. C'est gentil. Bon, j'aimerais bien faire des dégâts comme... Regardez, c'est magnifique. Il n'y a plus de brûlure. Je lui ai fait 0 dégâts là, on est d'accord au total. Non mais juste pour être sûr que... Oui, bon. Bon bah écoutez. Alors, est-ce que Rayleigh a assez d'attaque en étant 87 pour casser le bouclier de la Yamato de loin? Oui. Viens là, Yamato. Pourquoi tu fuis? Oh là là, lui casser son bouclier pendant son boost d'équipe. C'est tellement du bien. Bon, on va la finir, hein. Yeah. Elle est derrière moi. Oh. Ah bah. Bon bah il est parti. En train de se taper tranquillement, gentiment là-bas. Non, pas toi. C'était pas cool, Kaido. Par Kaido. Non mais. Les gars, j'en dirai un, il y en a un deuxième qui vit. Bon, pas grave. Ça veut dire que j'occupe deux ennemis pour les mates. Oh oui, bien joué, Akuba. Bon, par contre, c'est pareil, hein. On tue un king, il y en a un deuxième qui arrive. T'as que quoi? Je préfère prendre des dégâts que te laisser passer, mon grand. Bon, je meurs beaucoup quand même dans cette game. Mais en étant utile. Non mais laisse pas... Oui, le laisse pas capturer. Non mais... Calme-toi. Je suis déjà sous l'effet enjolure. Arrête de me... Oui, on va win. Et voilà, on termine en beauté avec le Rayleigh. 5 à score. Une game, on est utile. Incroyable. Ça change de la dernière vidéo. Non, parce que Brook et Jack, c'était quelque chose quand même. Hein. À tous les éléments rouges, on les a bien vus. Tous les anti-malus, on les a bien vus. Mais là, ça va. Bon, on se retrouve pour la deuxième game. Ok, donc, deuxième game. Encore un coup bas. Très bien, on va start en Rayleigh. On a un très bol avec nous.
Voilà, ça c'est pour tous les SBF qu'il y a en face. Non, parce qu'il faut savoir, bon, par contre, du coup, il faut le savoir quand même. Jouer Trébol, c'est en partie raciste. C'est un enfer à combattre. Attends, on a un Trébol 111 over. Oui, bon, écoutez, s'il veut finalement, hein. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, on va essayer d'aller là-bas. Non, parce que là, il y a un King, on le bat jamais au start. Donc, on va aller en B et on va essayer juste après d'aller en D. Non, mais tu fais quoi, King? Calme-toi, King. Même quand je rush pas le mur, il vient m'embêter, c'est dingue ça. Et non, je prends un tas de trésors, mon petit. Attendez, le Shanks il est contre moi aussi là. Non, mais si je me prends des 2v1 aussi. Bon, par contre, là va falloir m'expliquer sur quel bouton je clique. Celui-là, très bien, je. J'ai cru que j'étais trop loin. Prends tes dégâts, tu me. Bon, à coup bas, simple, efficace. Hein. À coup bas, franchement, c'est un très bon perso. Hein. Non, mais je pense. Je vous laisse vous battre entre vous. Hein. Ah, Outa et son bel Fanto. Ah, il m'a tué avec une belle pancake, très bien. C'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder combien j'avais de vie. Voilà, on va prendre ça pour éviter qu'un ennemi le prenne en venant à notre top trésor. Il y a un autre boost qui a spawn, très bien. Vas-y, Rayleigh. Je sais que tu vas te taper sur moi, je le sais. Reste dans ton coin là-bas. Non. Il me fait peur. Je préfère partir au mid. L'attaquer par en haut si jamais il vient. Voilà, plus de Yamato. Voilà, King. Y'a. Coucou Shanks. Ah, bon. J'avais oublié que sa compétence de TP était plus rapide que la mienne. Alors, on va aider au mid. Ok, j'ai dit on va aider au mid, mais en fait, c'est un Trébol, il a pas besoin de moi du coup. Oh, Akuba, je te. Alors, je te suis, mais de force. Parce que j'avais prévu concrètement. Mais. Allez-y, les gars, allez capturer là-bas. Voilà, tiens, prends-toi ça, le chance. Vas-y, j'ai mes stacks d'attaque. Qui veut venir se taper? Bon, j'ai plus de stacks d'attaque. Non, 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 pas ça. Bon, dommage, on n'est pas passé loin de la victoire, arraché par l'autre King. Effectivement, on avait pas grand monde en base. 3 casse-corps. Bon, j'ai fait le strict minimum quand même. Hein. Mais j'ai fait des trucs dans la game, pour une fois. Bon, on se retrouve pour la troisième game. Ok, troisième game, les gars. Et, encore Baratie lui. Ok. Profiter hein, les gars des openings, ça dure jamais très longtemps ici. Ça dure jamais longtemps sur ce jeu. D'ailleurs je suis en train d'y penser, mais du coup normalement au moment où sort cette vidéo, il y a le SBF du 22-23 qui est censé être sorti. Vous allez peut-être avoir la chance d'avoir deux vidéos dans la même journée, ou alors
juste, ça sera au lieu d'avoir une vidéo tous les deux jours, vous aurez trois vidéos. Oui, le compte de la Yamato finalement. Vous aurez trois vidéos en trois jours de suite. Là. Bon. Attendez. D'où je lui ai fait zéro dégâts là, par contre. Non, parce que je suis pas fou, je l'ai tapé quand même avec mon esquif parfaite là. Bon, on va aller combattre la Yama parce qu'elle vient. Prends-toi ça, allez, claque-le ton contre. C'est pas. Si, c'était le contre, très bien. Ah, hein, le PSB sous 10 équipes, c'est un peu moins simple. Pas du tout, même si Zoro l'a apparemment éclaté. Attendez, son compte, il revient aussi vite. Ah. Bon, on perd 4-1. Je perds tout le temps 4-1 sur cette map. Je vous avoue que j'en ai un peu marre du tout. Hein. Non, mais... En plus, le Akuba, il nous découpe bien. Hein. Ah, mais en plus, c'est celui qui était avec nous la game d'avant. Il va gagner, du coup. Mais pas moi. Ok. Tente. L'invincibilité du Zoro. Oh oui, Cracker, c'est bien ça. Je l'aime beaucoup, ton soldat biscuit. Donc, même s'il se fait taper, il peut cancel ma compétence avec la sienne. Très bien. Non mais c'est toujours bon à prendre, hein, les informations sur les persos genre Akuba. Encore une fois, inutile hein, dans la game. Oh non, du même. Alors là, tu oublies. Mais quand même, faut pas abuser. J'en ai marre des 5-0, moi. J'en ai subi assez la game d'avant. Enfin, la vidéo d'avant. Je n'ai été suivi par personne. C'est génial. Bon, bah, c'est perdu. 3 casse-corps. Encore une fois, le strict minimum. Encore une défaite, j'enchaîne les défaites. Bon bah du coup on se retrouve pour la quatrième game. Ok, dernière game, on est sur Wano. Bon, toujours un nombre de SBF légèrement excessif en face, hein, mais bon on a l'habitude de ce matchmaking à deux balles que nous propose ce jeu. Bien évidemment, à force on le connaît. On fonce au mid avec Rayleigh, faut faire attention à la compétence du kid, donc on va pas claquer l'esquive. Très bien, le kid nous laisse. Très bien, on laisse volontairement le mid. Oula. Ça va un peu vite, Zoro. Voilà, ça c'est Rayleigh. Je vois tes trucs électriques, arrête. Non, mais tu fais quoi, Ray? Tu fais quoi là? J'ai pas réussi à faire une esquive parfaite. Non, mais elle reste pas dans la ceinture, Ray. Bon, j'ai pas réussi à faire une esquive parfaite sur le kid, du coup. Ok, ulti. Alors là-bas il y a un truc qui s'appelle Kaido qui peut devenir rapidement extrêmement dangereux. Il y a aussi un Brook qui peut également devenir très dangereux. Donc je te vois Brook.
je vais essayer de m'occuper du Kaido. Son sous-douce d'équipe, c'est génial, il a régène tous les PV que je lui ai enlevés avant. Bon. Bah du coup, c'est plus lui qui m'a réglé mon compte. Bon, du coup, je vais quand même mettre en base. Makai. Très bien, il a spawn comme ça. Non, mais c'est ton choix, Kaido, à faire. Si tu veux re-te battre contre moi, j'ai failli. Si tu veux te re- j'ai refailli. Je vais me taire, en fait. Je crois que le karma m'en veut. Non, mais j'en ai marre. Ce Kaido, il m'a traumatisé dans cette game aussi, là. Ou alors c'est un autre, je sais, il y a tellement de SBF en face, je ne sais plus combien de Kaido joue contre moi. Mais elle revient tout le temps, ça se fait. À moins que ce soit l'aspect de... Bon bref, il est mort. Tout ce qui compte. Non mais Trébol, viens pas à côté de moi, sinon il va nous taper tous les deux, c'est débile. Win. Belle esquive parfaite hein. Vraiment c'est... Je déteste quand le jeu me fait ça. Donc je vous l'avoue. Et c'est gagné. Bah voilà, 6K. On finit sur une bonne game. Enfin. Enfin on finit sur une bonne game. Bon, on est... Bon, il y a un des... En fait, je me demande si c'est pas les deux Kaido carrément qui m'ont traumatisé. Bon, lui, il a fait une game du futur, il doit avoir la haine, concrètement. Bon, et bien moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, c'était Monkey D. Love, bye.